Bonsoir, c'est Laurent. En fait, je vais vous présenter une de mes passions et ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. Il s'agit en fait de Hardanger, qui est en fait une broderie à points comptés et motifs découpés qui vient d'une région de Norvège qui s'appelle Hardanger. En fait, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est qu'en fait, avec un tissu qu'on utilise pour le Hardanger, nous comptons des points en fait. Comme vous pouvez le voir ici, c'est toujours par 4. Donc vous faites une broderie sur 4 points, après vous laissez 4 points libres, après vous refaites sur 4 points. Ce que vous faites exactement la même chose de l'autre côté, selon le motif en fait, mais vous devez toujours avoir des côtés opposés. Car en fait ce qui va se passer, vous allez ensuite découper les fils qui sont à l'intérieur des deux parties qui sont brodées. Par contre, les parties qui ne sont pas brodées, vous les laissez entières, vous ne découpez surtout pas les fils. Ensuite, d'une fois que ceci a été fait, vous passez à l'étape suivante qui consiste en fait à coudre les fils qui restent ensemble par partie, comme vous le voyez ici, pour en fait donner une structure complète à tout le dessin. Donc voilà ce qui est, comment ça fonctionne. Et maintenant, je vais vous présenter en fait la nouveauté qui va garnir notre sapin de Noël cette année et qui a été réalisée environ en 40-45 heures de travail. Donc voici notre boule de Noël en hardanger. Alors comme demandé, nous allons maintenant l'accrocher sur le sapin. Et voilà la boule en hardanger accrochée pour nos fêtes de fin d'année. Joyeux Noël!